Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, mais le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui revient vers vous pour vous proposer ce tour d'horizon que nous aimons vous proposer pour revoir la prestation de nos internationaux, des Congolais susceptibles de devenir internationaux en équipe nationale, bien entendu. Et nous allons commencer ce tour d'horizon par l'Afrique. Et nous allons partir au Maroc, où le club marocain de Rajat Casablanca a eu très chaud, mais a réussi tout de même à se qualifier au terme des tirs au but. Rajat Casablanca avec ses internationaux congolais. Et si en République démocratique du Congo, il n'y aura plus un seul représentant en Coupe de la CAF de l'Afrique, parce que vous savez, le Darin Club Motema Pembe qui restait le seul représentant après l'élimination de Maniema Union a été éliminé hier dimanche 21 février 2021 par le club libyen de Al Ahly Benghazi, également sur penalty. Les Congolais de Raja Club Casablanca auront peut-être vengé le dernier club de Motema Pembe, toujours sur penalty, en se qualifiant au détriment du club tunisien de Monastir. A noter que Raja Casablanca avait gagné son match aller par 1-0, pensant avoir fait le plus dur, mais au match retour, les Tunisiens héroïques, également avec des Congolais là-bas. À noter qu'un ancien du Darin Club Motema Pembe évolue de ce côté-là. Il s'agit bien de Junior Mbele, le TGV congolais, lui qui vient juste après Ebola Zi, deuxième TGV de la République démocratique du Congo qui a évolué ici dans le championnat local à la ligne à foot avec le Darin Club Motema Pembe. En compétition de la CAF la saison dernière, même jusqu'à la phase de groupe, c'était un joueur très très important. Alors, Raja Casablanca prend le dessus sur Monastir de Tunisie au terme d'un match très disputé, match perdu par Rajat Casablanca par 1-0. Les pénalties ou les tirs au but les ont départagés, en tout cas 5 tirs au but contre 6, et Ben Malango et Fabrice Ngoma se qualifient ainsi que leur club, bien évidemment Rajat Club Casablanca, pour la phase des groupes de la Coupe de la Confédération Africaine de Football, au détriment de l'US Monastir de Dago Chibamba et Junior Mbele qui est également titulaire de ce côté-là. Il y avait donc 4 joueurs congolais pour ce match, mais ce sera des Congolais du Maroc qui auront pris le dessus. Voilà tout pour le tour d'horizon du côté du Maroc, avec cette belle qualification de nos internationaux congolais, de Raja Club Casablanca, Ben Malango, ainsi que Fabrice Ngoma, ancien de l'AS Vec Club. Nous quittons le Maroc pour aller du côté de Chypre, pour retrouver un international congolais également. Il s'agit bien de Dieu Merci Ndongala. Dieu Merci Ndongala qui se déplaçait avec son club Apoel du côté de Omonia, et c'était pour le compte de la 26e journée du championnat chypriote. Ndongala qui n'était pas titulaire, mais va faire quand même son entrée à la 81e minute de jeu. Mais malheureusement, son club devra s'incliner, et s'est incliné par 1-0. A noter que Apoel est 7e au championnat chypriote, avec 8 victoires, 12 défaites et 6 matchs nuls. Nous quittons Chypre pour nous rendre du côté de la République tchèque. La République tchèque pour retrouver un autre Congolais. Il s'agit bien de Joël Ngandou Kayamba. Joël Ngandou Kayamba qui évolue du côté du club de Victoria Plaisen. Victoria à Plaisen, et avec lequel il a eu à remporter leur match contre Bohemians par 3-1. A noter que le Congolais Joël Ngandou Kayamba avait ouvert la marque à la 43e minute de jeu, et mettant ainsi son club en bonne position pour remporter ce match. Match remporté, je l'ai dit, par 3-1. Et cela, c'était pour le compte de la 20e journée du championnat de Tchéquie. A noter aussi qu'au classement, Victoria Plzeň occupe la 6e position après 20 journées, 9 victoires, 7 défaites et 4 matchs nuls. 31 points, 37 buts inscrits contre 26 buts encaissés. Nous
Nous souhaitons en tout cas à bonne chance au Congolais Joël Ngandou Kayamba qui évolue du côté de la République tchèque. Quittons la République tchèque pour retrouver le championnat de deuxième division d'Angleterre, hein, retrouver en tout cas des Congolais qui évoluent de ce côté-là. Il y a beaucoup de Congolais, au moins 4 qui évoluent du côté de Middlesbrough. Nous avons Brit Asomba Alonga, nous avons Bola, nous avons Niskanse Kebano et Yannick Ila Abolazi. Et Middlesbrough se déplaçait en tout cas du côté du Reading, hein, et Middlesbrough a remporter une belle victoire 2-0 après une première victoire, hein, après avoir aligné comme ça deux défaites. Middlesbrough qui se relance, hein, qui se porte de mieux en mieux avec ses Congolais, et justement l'un des Congolais était buteur pour ce match. Il s'agit bien de Bola qui a inscrit le deuxième but de Middlesbrough, qui a rassuré en tout cas cette équipe d'obtenir sa victoire. Et c'était lors de ce déplacement sur la pelouse de Reading avec un Niskanse Kebano et Marc Bola qui était titulaire pour ce match. A noter qu'Yannick Yala Abolazi était absent de la feuille du match, hein, et pour la simple et bonne raison qu'il est blessé, une blessure en tout cas à la cuisse, hein. Mais Yannick Bolazi pourrait retrouver déjà son club, hein, le week-end prochain, selon les propos en tout cas de son entraîneur. Et Middlesbrough au classement qui se porte bien sûr mieux, hein, depuis deux journées. Middlesbrough a enchaîné en tout cas deux victoires, hein. D'abord victoire contre Huddersfield et ensuite la victoire hier contre Reading en déplacement bien évidemment par 2-0. Et Middlesbrough qui occupe actuellement la 8e place de ce championnat de championship, hein, championnat de deuxième division anglaise, avec 46 points au terme de 31 journées, 13 matchs gagnés, 11 matchs perdus et 7 matchs nuls. Middlesbrough a inscrit 36 buts contre 31 buts encaissés. Ça va de mieux en mieux pour cette équipe et nous espérons que ça ira encore plus, hein. L'objectif, c'est certainement essayer de titiller les équipes qui sont devant pour gagner une place pour monter, pourquoi pas. Et nous espérons en tout cas que les choses iront bien de ce côté-là. Alors nous allons quitter en tout cas à l'Angleterre, hein, pour poursuivre notre tour d'horizon en allant du côté de la Turquie. La Turquie où nous allons retrouver d'autres Congolais, il y en a beaucoup, hein, qui évoluent de ce côté-là. Nous allons commencer ce tour en Turquie par Galatasaray. Et Galatasaray qui confirme en tout cas sa première place au classement dans le championnat à Turc, après en tout cas cette belle victoire, hein, courte mais précieuse victoire à l'extérieur, hein, sur la pelouse d'Alanyaspor. Et bien sûr notre boss Christian Luyindama était titulaire deux fois à d'affilée, lui qui revenait en tout cas d'une blessure, hein, vous savez, il reprend un peu à peu. Mais Christian Luyindama qui a enchaîné de un match comme titulaire et qui a joué quasiment toute la rencontre, hein, reprend peu à peu. Nous espérons qu'il va retrouver sa forme d'antan. Galatasaray qui a donc battu Alanyaspor sur son terrain par cette petite marge, hein, une victoire courte mais victoire très importante. Et de l'autre côté, malheureusement, ça n'a pas bien marché pour Marcel Tisserand avec son club de Fenerbahçe qui s'est incliné à domicile face à Gotep, et par la petite marge aussi, un but à zéro. Et pour ce match, notre ministre de la Défense et capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, que nous allons retrouver certainement entre le 22 et le 31 mars ici en République démocratique du Congo dans le cadre de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, Marcel Tisserand est resté sur le banc pour ce match. Et Fenerbahçe qui hypothèque un peu ses chances de retrouver la première place de ce championnat à Turc en perdant les 3 points à domicile. Et à noter que ce championnat est dominé à l'instant par Galatasaray au terme de 25 journées qui a 54 points après et avec 17 victoires, hein, 3 matchs perdus et 5 matchs perdus pardon et 3 matchs nuls. Galatasaray a inscrit 50 buts contre 19 encaissés. De l'autre côté, Fenerbahçe au terme de 25 journées reste avec
avec 51 points, donc manquait l'occasion de talonner, de continuer à mettre la pression sur Galatasaray en hypothéquant en tout cas ses chances à cause de cette défaite à domicile. Et Galatasaray a Fenerbahçe a 16 victoires, 6 défaites et 3 matchs nuls, 47 buts marqués contre 27 buts encaissés. Beşiktaş, d'un autre international congolais, Fabrice Tsakala, a un match en moins au terme de 24 journées, à 51 points. Il peut donc rejoindre Galatasaray à la tête de ce classement en cas de victoire lors de sa 25e journée. Voilà à tout pour la Turquie. Nous poursuivons ce tour d'horizon et nous allons atterrir cette fois-ci du côté de la Ligue 1 française. Hein, Ligue 1 française où nous avons beaucoup de Congolais qui évoluent de ce côté-là. Et nous allons commencer ce tour d'horizon en Ligue 1 par Dijon. Dijon et Lens. Lens qui recevait en tout cas Dijon de Glody Ngonda. C'était un duel des Congolais. Alors que Lens menait par un but à zéro, Glody Ngonda a réussi à égaliser pensant avoir fait le plus dur. Malheureusement, deux minutes après son entrée, Banza va remettre Lens sur le chemin de la victoire en inscrivant le deuxième but. Et c'était à la 62e minute de jeu. Simon Obanz a donc permis au Racing Club de Lens de s'imposer à domicile face au club de Dijon de Glody Ngonda. Malheureusement pour Glody Ngonda, Dijon continue à s'enfoncer alors que pour Lens ça va de mieux en mieux. Et Lens qui est un promu occupe actuellement la 5e place du classement de la Ligue 1 au terme de 26 journées, 47 points. Et Lens a remporté 11 victoires, 8 matchs perdus contre 7 matchs nuls. Excusez-moi, Lens a plutôt 40 points au classement après 26 journées, tandis que Dijon continue toujours à occuper la dernière position du classement, donc 20e au classement après 26 journées, 15 points seulement, 2 petites victoires, 15 défaites et 9 matchs nuls. Rien ne va en tout cas pour Dijon, malgré en tout cas cette belle prestation de Glody Ngonda, l'arrière gauche de ce club et ancien arrière gauche de l'SV Club et international congolais. Malheureusement, son club n'aura pas réussi à faire un bon résultat sur le terrain de Lens. Lens qui se comporte plutôt bien. Nous restons en Ligue 1 française pour cette fois-ci aller du côté de Lorient. Lorient pour voir un autre international congolais, Johan Wissa, qui évolue de ce côté-là. Et Lorient, et bien évidemment, qui reste aussi relégable, n'aura pas en tout cas amélioré sa situation. Lorient aura sombré lourdement à domicile face à l'un des favoris pour la course au titre du championnat français. Johan Wissa était titulaire lors de ce match et malheureusement en tout cas cette lourde défaite n'aura pas permis à Lorient de quitter la zone de relégation. Après cette lourde défaite, 1 but contre 4 contre le leader actuel du championnat de la Ligue 1 française, Lille, Lorient occupe la 18e position du classement de la Ligue 1 après 25 journées, 23 petits points seulement, 6 victoires, 14 matchs perdus et 5 matchs nuls. Rien ne va également du côté de Lorient. Nous espérons que notre compatriote, l'international congolais Johan Wissa, va s'améliorer ensemble avec son équipe et espérer ainsi quitter cette zone de relégation. Nous restons bien sûr en Ligue 1 pour nous rendre cette fois-ci du côté de Montpellier. Montpellier pour retrouver un Congolais. Il s'agit bien de Mavididi. Et Montpellier qui s'est imposé à domicile face au stade Rennais par 2-1 grâce à un doublé de ce joueur congolais. Mavididi qui s'est offert en tout cas un doublé. Mavididi qui a régalé et qui a donné à lui tout seul la victoire à son club Montpellier à domicile. Et Montpellier qui se positionne en Ligue 1 à la 9e place au classement de la Ligue 1 après 26 journées, 38 points, 11 victoires, 10 matchs perdus contre 5 matchs nuls, 42 buts inscrits contre 46 encaissés. Félicitations à Mavididi, le Congolais, pourquoi pas le voir demain en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Nous restons en France, mais nous quittons la Ligue 1 pour cette fois-ci aller du côté de la Ligue 2 où évoluent beaucoup d'internationaux congolais également.
Et ce tour d'horizon en Ligue 2 française, nous le débutons par Ajaccio. Ajaccio qui recevait Clermont-Ferrand. Match perdu à domicile par 0 but contre 2 sur Kaloulou. Notre compatriote a joué toute rencontre pour la 7e fois consécutive. Quant à Simba, il a joué toute la rencontre pour la 2e fois consécutive. Après cette défaite au niveau du championnat de la Ligue 2 française, bien évidemment, Ajaccio occupe la 13e place du classement au terme de 26 journées, 32 points, 8 matchs gagnés, 10 matchs perdus contre 8 encaissés. Gédéon Kaloulou avec son club Ajaccio ont perdu donc contre le 2e du classement et donc sérieux prétendant à la montée, Clermont Foot qui avec Timba Vital occupe la 2e place du classement avec 49 points au terme de 26 journées, 14 victoires, 5 matchs perdus contre 7 match nul. Voilà la situation en ce qui concerne ces deux clubs où évoluent deux Congolais. Il s'agit de Ajaccio et de Clermont Foot. Nous restons en Ligue 2, bien évidemment, pour cette fois-ci aller voir notre compatriote, l'international congolais Rémi Moulumba, qui évolue du côté de Châteauroux. Et Rémi Moulumba qui se déplaçait pour le compte de cette 26e journée avec son club de Châteauroux du côté de Paris pour y affronter Paris FC. Malheureusement, match perdu à l'extérieur par un but à zéro. Rémi Moulumba a joué toute la rencontre. Et son club Châteauroux, actuellement au classement, n'est pas très bien positionné, malheureusement. Et Châteauroux est d'ailleurs dernier au classement, 20e à terme de 26 journées, 18 points seulement, 4 matchs gagnés et 16 matchs perdus contre 6 matchs nuls. Rien ne va pour Châteauroux et Rémi Moulumba. Nous espérons que les journées prochaines seront plus favorables à ce Congolais. Nous restons bien évidemment toujours en France et la Ligue 2 pour aller cette fois-ci du côté de Rodez AFC où évolue bien évidemment aussi un Congolais, mais cette fois-ci c'est un gardien de but. Il s'agit bien de Mpasi Nzau et Mpasi Nzau et son club Rodez qui se sont imposés face à Toulouse. Et le gardien d'origine congolaise Mpasi Nzau Lionel a protégé en tout cas sa cage durant toute la rencontre, s'offrant même un clean sheet, et le match s'est conclu sur une belle victoire d'un but à zéro. Félicitations à ce jeune gardien d'origine congolaise, Lionel Mpasi Nzau. Et son club de Rodez occupe la 14e place du championnat de la Ligue 2 au terme de 26 journées, 30 points, 6 matchs gagnés contre 8 matchs perdus et 12 matchs nuls. Nous quittons la France et poursuivons tout de même notre tour d'horizon. Cette fois-ci, allons du côté du voisin, en Belgique, pour retrouver la Jupiler Pro League et ses Congolais, ses nombreux internationaux congolais. Nous commençons ce tour d'horizon en Belgique, en Jupiler Pro League, par le club de Royal Antwerp, le club anversois, avec Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani qui a retrouvé le terrain, qui a rejoué avec l'Antwerp, en tout cas après avoir été absent pendant plusieurs semaines suite à une blessure au mollet. Dieu merci Mbokani a quand même effectué son retour. C'était hier, lors de la réception du club de Saint-Tron, ancien club d'un ancien international zaïrois de l'époque, Kingambo. Et Dieu merci, Mbokani est entré à la seconde période, à la 71e minute. Malheureusement pour lui, son équipe a manqué l'occasion de remporter les 3 points, concéder un match nul de 0 but partout avec Saint-Tron. Nous, à noter que pour ce match, Dieu merci, Mbokani a fait son entrée à la 71e minute. Ni de peau est resté sur le banc et pour Ava Adongo, toujours introuvable, Ava Adongo qui n'a toujours pas joué avec Royal Antwerp depuis 29 matchs maintenant. Dommage. Nous restons en Belgique pour ce tour d'horizon pour aller du côté de Liège pour retrouver le Standard de Liège et ses Congolais, notamment Merveille Bopé et Jackson Muleka. Et le Standard
Standard de Liège qui a fait dur, hein, après avoir été mené deux fois au score. Le Standard a réussi à renverser la vapeur, hein, en remportant ce match sur le terrain de Waregem, hein. C'était face à Zult Waregem, hein, par 2-3. Merveille Bopé, surnommé le Zidane, hein, de Liège, était titulaire bien évidemment pour ce match, alors que Jackson Muleka est rentré en cours de jeu. Les frères Balicha étaient tous absents. Nous restons toujours en Belgique pour aller cette fois-ci du côté de Charleroi. Charleroi pour retrouver un certain Jordan Botaka. Et pour le compte de la 27e journée de la Jupiler Pro League, Charleroi se déplaçait du côté des Beveren. Match nul d'un but partout et Botaka était titulaire à jouer. Donc toute la rencontre face à Beveren. Belle prestation pour Charleroi qui remporte au moins le point du match nul face à Beveren. Au classement de la Jupiler Pro League, Antwerp se positionne en deuxième place, hein, derrière le club de Bruges. Au terme de 28 journées, Antwerp a 48 points, 14 matchs gagnés, 8 matchs perdus contre 6 matchs nuls. Alors que de son côté, le Standard de Liège occupe la 9e place du classement, hein, après 28 journées, 40 points, 10 matchs gagnés, 8 perdus et 10 matchs nuls. Alors que Charleroi occupe la 11e place du classement après 27 journées, 37 points, 10 matchs gagnés, 11 perdus contre 7 matchs nuls. Voilà la situation pour ce qui concerne nos internationaux de Belgique. Et cette fois-ci, nous allons les quitter pour... quittons carrément la Belgique, hein, pour aller cette fois-ci du côté de la Suisse. La Suisse où nous allons retrouver beaucoup de Congolais là-bas. Et nous allons commencer ce tour d'horizon en Suisse pour suivre Jonathan Bolingui et son club de Lausanne Sport, hein. Lausanne Sport qui se déplaçait du côté du FC Ebal et pour le compte de la 21e journée de la Super League, hein, le championnat de première division de la Suisse. Et Lausanne Sport a ramené point de match nul, hein, 0 but partout. À noter que Bolingui n'était pas titulaire pour ce match, il est tout de même entré en jeu à la 46e minute. Nous restons toujours en Suisse pour cette fois-ci aller du côté de Sion pour suivre Timothy Fayulu, l'international congolais gardien de but de ce club, hein, et Sion qui jouait pour le compte le Sion qui se déplaçait, excusez-moi, du côté de Zurich, hein, et qui a su quand même ramener le point du match nul après avoir concédé ce nul de 1-1. À noter que Sion aurait pu remporter ce match, hein, si le pénalty obtenu avait été transformé. Malheureusement, ça a été raté. Et très belle prestation, bien évidemment, de notre compatriote Timothy Fayulu, parce que son équipe, hein, grâce à ce match nul, conserve en tout cas son invincibilité, hein, depuis 4 matchs maintenant en championnat de première division suisse. Félicitations à Timothy Fayulu qui continue sa progression, tant mieux pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Nous allons du côté du leader de ce championnat. Le leader, c'est Young Boys de Berne et son Congolais Elia Ameshak. Et Young Boys de Berne aura saisi en tout cas cette occasion après sa belle victoire, hein, victoire difficilement acquise face au Bayer Leverkusen dans le cadre de l'Europa League, hein, européenne. Elia Meshak et son club de Young Boys ont réussi à creuser l'écart dans le championnat, hein. C'est le leader du championnat à Suisse de première division et les Young Boys se sont imposés sans trembler à domicile face au FC Servette par 2-0, et cela malgré le carton rouge obtenu. Coup parfait en tout cas pour les Young Boys de Berne, hein, qui a désormais 18 points d'avance sur leur dauphin, le FC Bâle, qui n'a pas saisi l'occasion de remporter les 3 points face au club de Jonathan Bolingui. 0-1. À noter qu'ils n'ont perdu qu'un seul match en championnat cette saison, les Elia Ameshak. Et Elia Ameshak qui était buteur en Europa League dans la semaine, hein, et n'était pas titulaire
pour ce match. Hein. Il est monté à la 82e minute de jeu. À noter que du côté de Joël Kiasumbwa, il n'était pas titulaire non plus hein, lors de cette défaite de son club. 2-0. Joël Kiasumbwa est resté sur le banc. Alors au classement, au niveau du championnat suisse, je l'ai dit, Young Boys de Berne continue à trôner en tête hein, avec 50 points après 21 journées. 15 matchs gagnés, une seule défaite hein, et 5 matchs nuls. 38 buts marqués contre 15 buts encaissés. De son côté, nous avons le club de Servette hein, de Joël Kiasumbwa qui occupe la 6e place du classement après 21 journées, 25 points, 6 matchs gagnés, 8 matchs perdus contre 7 matchs nuls. 22 buts marqués contre 28 buts encaissés. Et nous allons du côté de Lausanne. Lausanne, club de Jonathan Bolingui qui occupe la 7e position au classement avec 24 points après 21 journées, 6 matchs gagnés, 9 perdus et 6 matchs nuls. 25 buts marqués contre 28 encaissés. Sion occupe la 9e place du classement et se trouve en zone de relégation après 21 journées, 22 points, 4 matchs gagnés, 7 perdus contre 10 matchs nuls. Et Sion a marqué 25 buts contre 31 buts encaissés. Voilà la situation du côté de la Suisse. Hein. Et nous allons boucler ce tour d'horizon en nous rendant du côté de la Bundesliga. Bundesliga en Allemagne, championnat de première division d'Allemagne, pour retrouver un compatriote congolais que nous réclamons tous hein, en équipe nationale. Il s'agit bien de Silas Wamangituka. Silas Wamangituka qui se déplaçait avec son club de VfB Stuttgart pour le compte du championnat de la Bundesliga. Et Silas Wamangituka et son club ont pu ramener en tout cas les 3 points de la victoire après 3 matchs, toutes compétitions confondues, sans victoire. Le joueur de Stuttgart retrouve enfin le sourire sur la pelouse de Cologne hein, en déplacement. Silas Wamangituka et ses coéquipiers en tout cas se sont imposés par 1-0 et retrouvent ainsi la victoire. Tant mieux, et ceci a des conséquences bien évidemment sur le classement, puisque en Bundesliga, classement dominé par le Bayern de Munich, hein, Stuttgart occupe la 10e place après 22 journées, 29 points, 7 matchs gagnés, 7 perdus et 6 matchs nuls, 39 buts inscrits contre 35 encaissés. Bon vent à tous nos compatriotes congolais, des internationaux et ceux qui sont susceptibles de le devenir. DMTV espère en tout cas que vous allez continuer à vous appliquer hein, pour mieux prester et ainsi être beaucoup plus performant, parce que la République démocratique du Congo aura besoin de ses fils les plus performants pour venir à bout hein, du Gabon ainsi que de la Gambie et ainsi prendre notre visa pour la CAN Cameroun 2021. C'est important et c'est déjà dans un mois que nous allons jouer ces deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, déjà entre le 22 et le 30 mars prochain. Nous espérons en tout cas que ces prestations des Congolais vont se multiplier. Vous l'avez vu, nous avons commencé ce tour d'horizon depuis le Maroc. Hein. Nous avons atterri en Allemagne et partout les Congolais se comportent très bien. Il y en a beaucoup qui ont été auteurs des buts, certains même un doublé. Mais c'est très important. Nous espérons que le coach Christian Tengibiembe suit certainement aussi tous ces joueurs et pourra faire une très bonne sélection afin d'avoir les joueurs les plus compétitifs hein, face à ces deux adversaires qui sont coréens et qui sont devant nous en termes de points. 7 points et nous sommes 3e avec 6 points. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi vous exprimer tout en nous laissant un commentaire avec votre point de vue. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.